Que s'est-il passé pour le président déchu Ali Bongo trois mois après le coup d'État au Gabon Salutations et bienvenue à nouveau sur Africa Flash, votre source incontournable pour une couverture approfondie des questions pressantes à travers le continent.

Trois mois après ce bouleversement politique, la situation illustre clairement les défis redoutables auxquels sont confrontés les dirigeants tentant de prolonger leur séjour au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles. Malgré les déclarations officielles affirmant la retraite d'Ali Bongo, notre enquête révèle des restrictions signalées, telles que des résidences entourées de chars et des comptes bancaires gelés. Ces circonstances mettent en lumière les vulnérabilités potentielles des dirigeants qui ont maintenu leur emprise sur le pouvoir pendant des périodes prolongées. Rejoignez-nous alors que nous disséquons les complexités entourant la situation actuelle d'Ali Bongo et explorons les implications plus larges pour les dirigeants aux tendances autoritaires similaires à travers le continent africain. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour perspicaces d'Africa Flash. La situation du président destitué Ali Bongo, trois mois après le coup d'État au Gabon, sert de rappel sévère des conséquences auxquelles les dictateurs peuvent être confrontés lorsqu'ils tentent de prolonger leur séjour au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles ou modifient la constitution pour perpétuer leur règne. Malgré l'affirmation du nouveau régime selon laquelle Ali Bongo est à la retraite et accessible, les restrictions signalées sur sa liberté des chars autour de sa résidence au compte bancaire gelé soulignent les répercussions de la tentative de maintien au pouvoir au-delà des normes acceptées. L'isolement, l'accès limité et la saisie potentielle des actifs reflètent les conséquences auxquelles les dirigeants peuvent être confrontés lorsque leur mandat est caractérisé par des tentatives de subversion des principes démocratiques. Le refus de l'exil et l'insistance à affronter les conséquences de ces actes renforcent l'idée que les dirigeants qui prolongent leur séjour peuvent se retrouver dans des situations politiquement et personnellement précaires. La situation actuelle d'Ali Bongo à la suite du coup d'État gabonais est un rappel poignant que les dirigeants aux tendances autoritaires tels que Kagame, Museveni, Nguesso, Nguema, Ouattara et d'autres pourraient se retrouver dans des circonstances similaires. Malgré les affirmations officielles de retraite, les restrictions signalées sur la liberté d'Ali Bongo mettent en évidence la vulnérabilité potentielle des dirigeants qui ont exercé le pouvoir pendant des périodes prolongées. Cette situation devrait inciter les gens à réfléchir sur le sort d'autres dirigeants qui pourraient faire face à des défis à leur autorité. Les événements qui se déroulent au Gabon soulignent l'importance de remettre en question les récits présentés par de tels leaders et de rester vigilants face à une éventuelle érosion des principes démocratiques dans diverses nations. Exactement trois mois après le coup d'État au Gabon, l'ancienne Première Dame Sylvia Bongo ainsi que son fils Noureddin sont en détention. Cependant, l'ancien chef de l'État, Ali Bongo, reste dans sa résidence. Le nouveau régime a déclaré qu'il était à la retraite, libre de ses mouvements et pouvait se faire soigner à l'étranger à tout moment. Cependant, son cercle intérieur nie cela et dénonce une détention non officiellement reconnue. Selon certains de ses proches collaborateurs, Ali Bongo est en prison. L'ancien président vit toujours dans sa luxueuse résidence de la Sablière avec ses fils Bilal et Jalil. Mais sa liberté est restreinte. Selon plusieurs sources, il y a des chars autour de sa résidence. Six sorties dans le jardin sont limitées. Un garde républicain est constamment présent pour écouter ses propos. Il n'est pas du tout libre et ne peut pas voir sa femme et son fils emprisonnés. Confie un proche. Ali Bongo a été diminué depuis un accident vasculaire cérébral en 2018, mais sa santé reste relativement bonne. Un kinésithérapeute vient régulièrement pour sa rééducation. Sur le plan matériel, une source fiable explique qu'il n'a pas accès à un téléphone, que ses comptes bancaires sont gelés, qu'il ne reçoit pas sa retraite et qu'il a accumulé trois mois de factures d'électricité impayées. Il ne peut pas payer car ses chèques sont refusés. On craint une coupure de courant, explique son entourage. Seul un cercle minimal de collaborateurs est autorisé autour de lui. Les militaires fouillent à l'entrée et à la sortie. Le chef cuisinier est parti car il ne pouvait plus travailler dans ces conditions. Sa famille, en particulier sa mère, doit lui apporter de la nourriture, explique une source fiable. Peu de visites ont été effectuées. Plusieurs hauts dignitaires ont pu rendre des visites officielles, dont le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra, le représentant du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA, Abdou Abari. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki Wabo, et le 25 novembre dernier, le Premier ministre de Sao Tomé, Patrice Emery Trovoada. Ils ont tous confirmé la bonne santé de l'ancien président gabonais. Ce ballet diplomatique est une mascarade, destinée à donner une image positive, confie toutefois un collaborateur. Six rencontres sont souvent rapportées dans les médias offrant ainsi des images rares d'Ali Bongo depuis sa chute. On se souvient également d'une vidéo du chef de l'État diffusée quelques heures après le coup d'État dans laquelle il appelait en anglais les amis du Gabon à faire du bruit. Selon une source fiable, les mutins auraient décidé de laisser dormir le président pendant le coup d'État. Les images auraient été enregistrées par son majordome lui-même anglophone quelques heures après le coup d'État, alors qu'Ali Bongo venait d'être déposé. L'anglais a été utilisé dans l'espoir d'une diffusion plus large à l'international. Aujourd'hui, en privé, très peu de gens ont accès à lui et toute rencontre doit recevoir l'approbation de l'armée. Aucun représentant de son parti, le PDG, n'est également venu à la sablière. Au début, sa fille Malika et sa sœur Pascaline pouvaient le voir, mais c'est terminé. Sa petite fille Léa, vivait dans une maison où Noureddin et sa famille séjournaient. Elle est située au sein de la résidence, mais Léa a été priée de déménager, indique l'entourage. Ce bâtiment fait notamment partie de l'héritage de l'ancien président et patriarche Omar Bongo. Certains craignent que le gouvernement cherche maintenant à spolier les biens de la famille. Exil refusé. On dit qu'Ali Bongo est touché par la situation, même s'il reste fort mentalement. Il ne comprend pas cette violence contre lui. L'armée lui a proposé l'exil il y a environ un mois. Un avion était prêt, mais il a refusé de quitter le Gabon. Preuve de sa force. Il ne veut pas partir sans sa femme et son fils. Il affirme qu'ils n'ont rien fait et qu'il est prêt à prendre ses responsabilités, explique un proche des Bongo ajoutant que le nouveau régime cherche à tout mettre sur le dos de Sylvia et Noureddin Bongo. Les militaires disent qu'il dirigeait, falsifiait sa signature, mais aucune décision n'était prise sans l'aval d'Ali, qui était en pleine possession de S et moyens malgré son handicap physique, précise cette source. En tout cas, aujourd'hui, une source judiciaire explique qu'aucune procédure ne vise actuellement l'ancien chef de l'État. Selon le président de l'Assemblée nationale, seule une juridiction spécialisée d'exception peut juger un ancien président. Il ne peut pas passer devant un tribunal ordinaire. Si les autorités judiciaires estiment qu'il faut ouvrir une enquête, je ne peux pas empêcher la justice de faire son travail, indique Jean-François Ndongou. Même si Ali Bongo n'est pas inquiété par la justice, sa famille n'est pas sereine. Certains proches craignent même que l'ancien président gabonais soit victime d'un nouvel accident vasculaire cérébral. L'histoire d'Ali Bongo devrait servir d'avertissement à tout dictateur en Afrique, comme Kagame au Rwanda, Nguesso au Congo-Brazzaville, Eyadama au Togo, Museveni en Ouganda, Bia au Cameroun, et d'autres les exhortant à réfléchir et à se comporter différemment de manière à pouvoir quitter le pouvoir pour assurer la sécurité de leurs amis et de leur famille.